Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today the chamber continues to hear testimony of witness Su Ti. La déposition du témoin Su Ti. Mr. M. Hoi, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier. Le greffier. Mr. President, Monsieur for today's proceedings, pour l'audience d'aujourd'hui, all parties to discuss are present. Au procès sont présentes. Mr. Nunji is present Monsieur in Nunji the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. The waiver has been delivered to the greffier. Le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to continue his testimony today, that is Mr. Su Ti, as well as Mr. Moon Soo-wan, his duty counsel, present in the courtroom. Son avocat permanent. There is no reserved witness today. Présent dans le prétoire. Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui. Thank you, Mr. Le président, merci, Monsieur M. Hoi. The chamber now decides on the request by Nunji. Va présent statuer sur la requête de Nunji. The chamber has received a waiver from Nunji. D'un document de renonciation de Nunji en date du 3 juin 2016. Il déclare he cannot sit or concentrate for long, de santé, il souffre and de in mal de order dos, to effectively participate in future il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer. Ainsi, pour assurer sa participation at effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire à l'audience du 3 juin 2016. Étant saisi du rapport du médecin traitant de CTC, dated 3 June 2016. It notes that Nunji has a chronic back pain. Le constate que Nunji, que le médecin indique que Nunji souffre de mal de dos chronique. When he sits for long. Et and recommends that the chamber shall ainsi, grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Il recommande à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. Par ces motifs, en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunji, qui pourrait suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. The chairman instructs the heavy unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunji can follow. That applies for the whole day. Again, the floor is given to the deputy co-prosecutor to continue putting further questions to the witness. You may proceed. Co-procureur pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Thank you. Bonjour good morning, parties. Mr. President. Your Honours. Monsieur le témoin, je vais sans doute aller jusqu'à environ 10 heures ce matin. We are supposed to go up to 10 a.m. this morning, and then I'll give the floor to the civil parties up to the break at 11. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, remettre trois documents like to show à Monsieur le témoin. The ce witness sont les documents three documents, E3/22/42, qui a déjà été remis hier soir, mais je voudrais poser une question de plus. Shown the witness yesterday, ainsi que les documents I would like to E3 some other questions we have documents E3/22/09. Et ensuite E3/1955, ce sont toutes des listes de prisonniers entrants 955. Sur lesquels figure le nom de Ti en bas de chaque document. Witnesses, sorry, entering detainees. Yes, you may proceed. Le président, vous y êtes autorisé. Voilà, prenons le premier document, Monsieur le témoin, c'est le document E3/22/42. Witness, can you look at the first document, Monsieur le procureur, à la demande des services d'interprétation, veuillez s'il vous plaît ralentir votre débit. Donc E3/22/42. Aux pages en anglais 00-99-25-26-26 en Khmer 00
Pardon. C'était en français que j'ai donné l'IRN. I'm sorry, I gave the ERN en français, French. Donc 00919925-26. En Khmer, 00021-21-136. Je m'aperçois que je n'ai pas l'IRN en anglais. I realize I don't have an ERN. Alors, il s'agit d'une English. Liste des prisonniers this arrivés le 11 juillet 1978 par l'intermédiaire de Bang. Il est indiqué au-dessus, ministère de S71 et confection textile. Ministry S71 in the State Garment Manufacturing Department, K9. As stated at the bottom of the document, le nom de T, comme étant la personne recevant les prisonniers. That is a person who received the prisoners. J'avais une question concernant ce ministère de S71 qui est marqué sur ce document. S71, as indicated on the à document. Quoi servait ce ministère S71? What was the purpose of that ministry referred to as S71? And do you know who headed that ministry? Chum sum ben chia tha chum pu. In lesson to the communication with S71 office, I was not aware je n'étais pas of au courant that. De la communication avec le bureau S71 of et j'ignorais qui dirigeait ce bureau. Est-ce qu'en relation avec S21, vous avez jamais entendu le nom de Pang? To S21, did you ever hear the name Pang? P-H-A-N-G. Chumpu le chumpang le sao chet samui ko khnum ot dal ban tiak tong sko. I did not know Pang at S21. Je ne connaissais pas de Pang à S21. Il y a de nombreux combattants. Pardon, à S71. There are several combatants. Merci, il y a de nombreux combattants sur cette liste qui viennent list, du bureau K7. Which was from office K7. Est-ce que vous savez ce qu'était ce bureau K7? Do you know what that office K7 was? Kimpo mình chỉ có một pin như nhóm ở bàn đăng đài vì trú nhóm gì vậy. I did not know about office K7. Je ne connaissais pas le bureau K7. And I'd like to make it clear that the people in receipt of a communication between K7 or S71. Mais j'aimerais dire que la personne chargée de la communication entre K7 et S21 were posted outside. Étaient les gardes de faction à l'extérieur. Passons au deuxième document, E3-2209. En Khmer, ce que je vous ai remis, c'est les pages 00087-0036 jusque 41. En anglais, 00089-3763 jusque 68. Up to 68. Et je l'ai également en français. C'est 00878783832 jusque 37. Up to 37. Donc il s'agit de 6 pages de liste de gens entrés à S21 le 28 avril 1978. C'est une liste que vous avez déjà authentifiée. This list à l'audience has already en 2009, been authenticated by you le 28 juillet 2009 à 9h32. C'est le document E3-7466. Donc, à la première page de ce document, on the first page of this on trouve document, une personne dénommée we have the name of a Tron Ning. Tron Ning. Alors, c'est un nom vietnamien, Tron T-R. This is a Vietnamese O-E-U-N-G farmer. T-H-I-N-I-N-G. T-R-U-O-N-T-H-I-N-I-N-G. Son âge est de 14 ans. Tron T-N-I-N-G.
aged 14. Elle est cultivatrice vietnamienne. And her occupation was Vietnamese farmer. Vous allez regarder également trois autres Vietnamiens qui sont répertoriés. We're going to look at three other Vietnamese mentioned on the list, and it is on the very last page of the document. Et leurs noms and their names sont manuscrits. Vous avez handwritten. Dans le procès verbal d'audition E3-7603, que vous aviez écrit vous-même ces noms à la main. It's a document on which you yourself wrote the names in your own Alors hand. Ici, il s'agit de trois personnes vietnamiennes so décrites comme étant des fermiers vietnamiens âgés de 35 à 50 ans. Age between 35 and 50, zone sud-ouest. And they came from the southwest zone. Alors, tout d'abord, une question concernant la fille First de 14 all, ans. Let me ask a question regarding vous aviez dit hier que vous n'enregistriez normalement pas les enfants de moins you de 15 did not ans. Register children aged Est-ce qu'il s'agit là d'une exception? Is this an exception Et to est-ce the rule? Que vous reconnaissez donc vous avez bien enregistré and cette personne. Do you therefore admit that you did register that person? In relation to the Vietnamese girl who was 14 years old, actually, en ce qui concerne la fille vietnamienne de 14 ans, j'ai effectivement inscrit son along nom, with her parents. Mais elle n'était pas she accompagnée de ses parents. By herself, and for that reason, elle I est arrivée to write toute seule, raison pour laquelle brief biography. Je devais enregistrer son nom ainsi qu'une brève biographie, sa brève biographie. J'ai une question de clarification concernant les trois autres Vietnamiens. Donc à la dernière page, parce qu'on dit que ce sont des riziculteurs vietnamiens et ils sont venus du sud-ouest. And that they came from the southwest. Donc je voudrais savoir si Can you tell the chamber ce terme de riziculteur vietnamien the term s'appliquait Vietnamese rice farmer à des Vietnamiens applied qui venaient du Vietnam mais qui avait été arrêté Vietnam, par les forces Khmer Rouge du sud-ouest the Khmer Rouge forces in the southwest ou alors s'agissait-il de riziculteurs vietnamiens restés au Kampuchea démocratique durant la période Kampuchea de ce régime during et arrêtés the of dans that la période sud-ouest and were arrested in the southwest zone. Could you please repeat your question? Pouvez-vous reposer, s'il vous plaît, votre question? Je ne l'ai pas bien comprise. Oui, je voudrais savoir si yes, my question ces trois personnes qualifiées de riziculteurs vietnamiens en provenance de la zone sud-ouest rice farmers who hailed from the southwest zone étaient des riziculteurs qui habitaient au Vietnam, mais qui avaient été arrêtés Vietnam, par les forces du sud-ouest, peut-être près de la frontière ou à l'intérieur du Vietnam, zone, ou alors, close to the border, or si dans ce cas-là, Vietnam, il s'agissait de riziculteurs vietnamiens résidant Vietnamese au Cambodge, dans la région sud-ouest, et arrêtés sur place. And who were arrested Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Si vous ne savez pas, évidemment, vous dites que vous ne savez pas. And if you do not know, please say so. In relation to the three Vietnamese from the southwest zone, en ce qui concerne les trois Vietnamiens I do not have a clear memory de la zone as sud-ouest. Where they were arrested, je ne me souviens pas très bien area de in la the localité southwest zone. D'où ils avaient été arrêtés. Dans la zone sud-ouest. Juste une ou deux questions sur le dernier document E3-1955. C'est une liste des prisonniers arrivés le 24 mai 1978.
aux pages en français 0087 04 15 15 jusque 20 up to 20. En anglais 00 08 36 85 jusque 89 up to 89. Et en Khmer, 000-21-270 jusque 74. Alors, il y a plusieurs listes, here chaque we have fois, des personnes qui sont arrivées à la même date, there are persons who arrived le 24 mai 1978. The 24th of May 1978. Alors, il y a d'abord une liste. So, the first list... de quatre personnes consists sur la première page qui nous est remise provenant du ministère S71 dont le chef du bureau K13 office, et le chef du bureau K8 au numéro 1 et 2. And K8. Si on tourne la page, if we flip over on constate to the next qu'il est arrivé page, le même jour we observe that le chef on the du same bureau day, K4 the head of serait K4 dénommé Srei office Yang. Arrived. That person's name is Se Yang. À la page suivante encore. On the next page. En tout cas, dans le tableau suivant, là, on voit que le même jour sont arrivés le chef du bureau K17, K17 arrived, le chef du bureau K12 as well as et le chef du bureau K6. The head of K6. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez d'abord now, witness, me dire, c'est une liste que vous avez déjà authentifiée. First of all, tell us whether you authenticated that comment se fait-il que vous avez enregistré à leur arrivée des gens aussi importants que des chefs de bureau, persons as chefs important du bureau K12, as the K6, heads of, K17, K12, K6 and K17 on the day of the arrival? How come you did register those important persons? Relation to the registration of names of office chairman, these offices, the offices were not big offices. De ces chefs. Usually only the sector chairman or the military division importants. Commander were considered important militaire. People. Et autres personnalités des zones étaient and considérées comme people would des personnes importantes. Received at the outer gate. Généralement, they would ces personnes étaient réceptionnées à l'entrée. I would puis, ils étaient conduits à mon bureau pour their enregistrement. Names, as well as their brief, je consignais ainsi user. Leur nom et leur biographie sommaire. Bien. Vous souvenez-vous s'il y avait une raison particulière à l'arrivée le même jour de six chefs de bureau K, dépendant du ministère S71? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu une purge particulière à ce moment-là, en mai 1978? I did not know about that. It's beyond my authority. Je n'ai pas de réponse à cette question. My authority car was only to deal with what I did de on ma the responsabilité. Spot. Mon domaine de responsabilité se limitait aux tâches que je devais accomplir sur place. Alors, dans le reste du document, il y a in the rest une of liste the document, assez longue de 29 noms. List of 29 names provenant de la zone Est, toujours le 24 mai 1978. Je voudrais savoir si like vous avez un commentaire particulier à faire particular sur l'arrivée de grands nombres de prisonniers de la zone Est à partir de la mi-78. Est-ce que c'était quelque chose d'habituel? And
I cannot tell you about that or whether there were an influx of prisoners for any particular reason. Si c'était arrivé massif de prisonniers, était une raison particulière. Je me contentais d'enregistrer les noms de ceux qui m'étaient envoyés. Je passe à un autre sujet, ce sont les conditions d'incarcération des prisonniers. Lorsque vous deviez vérifier les listes, et notamment la question de savoir où se trouvait chacun des prisonniers au sein des cellules, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, même brièvement, dans quelles conditions les prisonniers étaient détenus à S21? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils étaient détenus, comment est-ce qu'ils étaient éventuellement attachés, comment ils dormaient. Were they tied up or shackled? And did you observe the manner in which they were sleeping? Prisoners who were brought to the prison. They were shackled. Les prisonniers arrivaient au centre en étant entravés. Et en détention, ils dormaient avec les entraves aux pieds. Comment était l'odeur qui se dégageait des cellules? What kind of lorsque vous passiez tout smells were let off the various cells as you passed by? When I walked past, of course, I felt the stench. Lorsque je passais par là, bien sûr, je pouvais sentir la forte odeur. As well as to relieve themselves étant donné there. Que les prisonniers devaient à la fois prendre leur repas et se soulager au même endroit. Vous avez tout de même souvent vu des prisonniers, que ce soit détenus dans leur cellule ou au moment où ils devaient quitter la prison. Qu'avez-vous pu constater au niveau de leur état physique et notamment regarding their physical condition? Leur éventuelle maigreur? Est-ce que vous avez constaté instance, quoi que ce soit? Did you notice that they were very skinny? What exactly did you observe? For prisoners who were detained at S21, I saw some of them and most of them were emaciated. Détenus à S21, et la majorité d'entre eux étaient émaciés. Ils étaient très maigres. Since they did not have any proper place to sleep or proper food to eat. Car ils n'avaient pas de nourriture suffisante à manger. For that reason, they became emaciated, and I refer to all of them. La raison pour laquelle ils étaient émaciés, et ceci valait pour la totalité de ces prisonniers. Vous établissiez des listes de prisonniers sortants de S21. List of prisoners leaving S21. Était-il fréquent que sur ces listes vous deviez indiquer que ces personnes étaient mortes de maladie? On those lists, you indicated that those persons died of ill health. Regarding the daily registration, the report of those prisoners who died in the cells were made by the medic. Usually there was a medic stationed at each building. So when there was a death of an inmate, then that medic les médecins ou aides-soignants étaient assignés à chaque cellule et ils faisaient des rapports adressés à Or. Or me transmettait ces rapports pour que j'en prenne compte dans l'actualisation de mes listes. Parmi ces gens qui mouraient en cellule, y avait-il également des gens qui mouraient à la suite de coups reçus?
ou de mauvais traitements infligés. Par exemple, lors des interrogatoires. People who died in their cells, some of them died as a result of severe torture while they were interrogated. De graves tortures infligées lors des interrogatoires. Also, some of them died because of the lack d'autres of food. Du fait so they became so weak du manque that de nourriture. They died. Ils devenaient tellement faibles qu'ils en mouraient. Sur les rapports que vous transmettez à l'unité médicale, est-ce que il était fait une différence en général entre les morts faute de nourriture et les morts suite aux tortures, comme vous l'avez dit, lack of sufficient ou mauvais traitement, or those who died as a result of torture or ill treatment, as you stated? The report from the medic was what I copied into the registration. Dans mes archives, les rapports de l'unité médicale. Medic me. Or, example, or me transmettait ces rapports. That prisoner died from ill health, et si, par exemple, un prisonnier décédé du fait de maladie, alors je l'inscrivais dans mes listes. Pour être complet, vous aviez dit le 28 juillet 2009 à cette audience, dans cette chambre, ce document E3-7466 à 11h51. Vous avez dit ceci, c'est le personnel médical qui rendait compte des prisonniers qui succombaient à la torture à l'intérieur du bâtiment, mais il les renseignait comme étant malades. Il n'est pas nécessairement indiqué dans les listes qu'ils sont morts des suites de la torture. Il est peut-être simplement dit qu'ils sont morts des suites de maladies. Perhaps they simply stated that they died as a result of ill health. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à l'époque devant cette chambre? What you stated at the time before this chamber? Whatever was written in the report by the medic, I would duplicate it. Je me contentais de recopier tout ce qui était indiqué dans le rapport de l'unité médicale. Si le rapport disait que le prisonnier est mort des suites d'actes de torture, même si je ne m'en souviens pas très bien car les faits se sont déroulés il y a longtemps, si telle était la teneur du rapport adressé à Or, alors Or me transmettait ce rapport. Je ne me souviens pas très bien si des rapports mentionnaient que les prisonniers étaient morts de maladie ou de torture. Je voudrais soumettre au témoin un autre document, it's part of the large document E3/3187 at Khmer page 00000889192 et en anglais 00087 85 45 64 64 69. Mr. President, may I provide this document to the witness? Le président, yes, vous y êtes autorisé.
Alors j'ai surligné quelques mentions en vert underlined sur some of the excerpts in green in your version. C'est une liste so this de is a prisoner list who died of illness and who were executed between 1 May 1976 and 15 May 1976. Il y a tout d'abord 37 First of all, noms there are 37 names in a table. Et ensuite, and then there is another noms. Table with 15 names. Il y a une colonne there is a column divers, where it's written miscellaneous ou others, or others en anglais, in English, qui indique un certain nombre de choses que indicates je quite a few things that I'd like to read out to you. Notamment, si la personne in particular, a été exécutée, if the person was executed, si elle est morte de maladie, or if the person died of illness, d'autres choses. Or of other reasons. Alors, par exemple, so, for example, at number one, il y a un dénommé there is a so named Kun, K-H-O-U, Cheng, pris du secteur 25, from taken from sector 25, who was a chemical engineer, date de la mort, and who le died mai on 1976, 1 May 1976, dans la, la dernière colonne, and in the last column, en others, anglais, it's written in English, bruised-numb. Dash numb, that was. Alors, je pense qu'en français, so I believe in French, sous réserve évidemment de correction des interprètes, bruise normalement cela bruise veut dire contusion. Normally means what it means. Et numb ça peut vouloir dire paralysé ou engourdi. And numb, however, could mean paralyzed in French. Bon, à l'époque, quand so dans un tableau then, comme celui-là, il était indiqué ces termes-là, these terms were used in numb, such a table, such as bruised and numb. Qu'est-ce que cela voulait what dire? What did that mean? Qu'est-ce que vous compreniez que what cela voulait dire? Est-ce que vous avez déjà you lu ce cas, ce genre de liste sous that? Les yeux? Did you ever see such lists? Jumpu. For the list that you mentioned, I did not make the report in such ways. Je n'établissais pas de rapport selon le format que l'on retrouve know, dans cette liste. It's probably the list made by Meng. À mon avis, ça doit être une liste qui a été établie par Meng. For the mentioning of words like numbs, il est question ici bruise, d'engourdissement that resulted in the ou de contusion qui ont provoqué la mort d'un prisonnier. It was in the daily reports. And for cela the figurait words dans like les bruise, rapports quotidiens. It resulted from, pour ce qui est d'un terme comme torture, contusion, c'était pain. Le résultat de and as for torture numb, ayant provoqué des douleurs. Swelling. Quand on parle d'engourdissement, il s'agit d'enflement. Et je note à l'intention des parties and qu'il I'd like y a to note 13 to the attention of the parties that there are 13 people qu'il a été bruised, who were bruised, quote unquote, et un peu plus, je crois, concernant a bit les personnes qui souffraient d'enflement. Regarding those who sur suffered les from numbness. Personnes de cette liste, among the 52 témoin, people in this list, witness, there are 11 of them qui, quand il est indiqué qu'ils ont été exécutés, who were executed, le deuxième tableau, or at least that is what is indicated, that is in the second table, and 40 de maladie, who died of illness ou de violence. Or who died as a result of violence. Était-il courant que so 40 personnes meurent à S21 usual that de maladie 40 people would die at S21 because of illness or because of beatings at S21 dans une période de 15 jours within a 2 week period. That was the total list. And as for the il period of 15 days, consolidée. I
did not pay pour much attention d'une to période it. De 15 jours, based on my je n'y ai pas estimate, fait attention. There were around one or two people died every day. Deux personnes mouraient chaque jour. But as for the total number, pour ce I, qui est du nombre total, I said earlier, I did comme not je l'ai pay dit, attention. Je n'y ai pas fait attention. Lorsque vous étiez à S21, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que des prisonniers aware of the fact subissaient that des prélèvements sanguins? That the blood of prisoners was being drawn. For prisoners at S21, I did not know clearly about the drawing of blood from the prisoner. Je n'ai pas bien su si I des prélèvements de sang avaient été effectués. From the medics. C'est seulement par le rapport des médecins que j'en ai eu connaissance. Oui, pour clarifier, well, to voir clarify si things, ce que vous avez like déjà dit, to see if you confirm what you already said, it was peut-être pour vous en 2009, maybe clearer for you in 2009, on 28 July 2009 at the hearing, vers 11h23, at around 11:23, 31 seconds. C'est le document this is document E3/7466, and you said the following. Je reconnais le fait I qu'il y acknowledge a bien the fact that indeed sanguin. They drew blood. Hor asked me to write down the names of the prisoners le sang était whose blood had been drawn pour que ces noms so that these names be incorporated into the prisoner lists, into the list of prisoners to les be executed. Médicale, the members donc, of the medical staff therefore would receive orders Hor, from Hor et ensuite, and then Hor l'ordre suivant. Would give the following order, that is to say that the names of these intégrés. Prisoners had to be incorporated in that list. End of quote. Free translation. Comment se fait-il so how is it that regarding these people subissant des prélèvements sanguins, vous blood was drawn, les inscrire sur la liste how was it that they had to be listed à exécuter? In the list of people to be executed? Est-ce que cela veut dire que does this mean that any person whose blood was being drawn nécessairement mourir? Had to die? Is that that's my question. President, le président, witness, please, témoin, the veuillez attendre. La parole est donnée à Maître Coppe. Maître yes, Coppe. Mr. President, thank you. Good morning. Merci. Bonjour. Literally 4 out of 5 questions from this prosecutor are leading. I stopped. 4 questions sur 5, littéralement, sont orientées. C'est inutile désormais de me manifester, mais je demande vraiment à l'accusation de poser des questions ouvertes et neutres, plutôt que des questions qui sont systématiquement orientées. Je vais couper cette question en deux. Well, I'll break up this question in two, therefore. Vous avez dit en 2009 so you said in 2009 that Hor asked you to incorporate into the list the names of the people whose blood had to be drawn, and that these people should comment be put into the list of the prisoners to be executed. So how can you explain that? When Hor gave me the names on the daily basis, quand Hor me communiquait des noms chaque jour, those prisoners whose blood had been drawn les prisonniers were dont on avait prélevé du sang for their names to be included into devaient the list voir leur nom inclus who would be dans smashed. La liste aux côtés du nom des personnes à exécuter. Lorsque des prisonniers quittaient when le prisoners sang would leave pour qu'on puisse the compound for their blood to be drawn, je suppose que vous vérifiez I imagine leur identité that à la sortie. You would check their identity when they left. Did you ever see any of them S21? Come back alive to the S21 compound? For the prisoners whose blood had been drawn, I did not know the detail because je the medical staff les détails concernant proposed to les prisonniers
dont le sang avait été prélevé. Le personnel médical faisait une proposition à Hor et c'est Hor qui prenait une décision. And it was the main responsibility of the medical staff. It was not la responsabilité première incombait au personnel médical et non pas à moi-même. Oui, bien entendu. Yes, of course. Il y a plusieurs documents au well, dossier there are several documents qui on the case file that describe pouvoir en utiliser qu'un par manque de temps. Drawing of blood. Il and I will only use one. E3 and this is document E3/22885. À la page en Khmer. On Khmer page 4x0 0000 92 1 2 1 2. En anglais. In English 0 0 8 7 7. 3-4-3-4-2. Il n'y a pas de traduction française, je crois. And there is no French version. Monsieur le Président, so, est-ce que je Mr. peux President, remettre may ce document I provide this document au to the witness? Le Président, je vous en prie. Granted. C'est une page sur laquelle this se trouve un titre, nom des prisonniers écrasés, le 21 mai 1977, provenant des divisions 310 et 455, arrivés entre le 14 et le 19 mai 1977. Dans la dernière colonne, in tout à fait à droite, last column on the right hand side, la mention we see en anglais, the English took blood. Mention, took blood. En français, on a pris du sang. S'agit-il ici d'une so liste que vous avez établie à S21 sur les ordres de Hor? Upon Hor's orders? Hor gave the names of the list of those whose blood had been drawn to me and I incorporated into the list. De ceux dont le sang avait été prélevé, j'ai inclus ces noms dans la liste aux côtés du nom des personnes à exécuter. J'avance puisque le temps passe. Let me move ahead because time is running out. Yesterday you said that Duch would make annotations on prisoner lists, en indiquant and cam, he would cam, write sometimes com, which means that these people had to be sur smashed. Page-là, so on Hor that basis, Hor would ask you to draw up lists of people who had to be executed. Alors, ce que je voudrais so savoir, what I'd like to know c'est une fois que ces personnes avaient été emmenées en dehors de la prison, taken out of the prison, comment saviez-vous précisément you know qu'elles avaient été effectivement exécutées? Had indeed been executed. For prisoners who had been removed from the prison, they les prisonniers had a list emmenés à l'extérieur de la prison with the annotation étaient to inscrits be smashed. Dans une liste portant l'annotation those prisoners needed to be checked carefully before they il fallait soigneusement boarded the vérifier track and taken away. Ces prisonniers avant de faire venir le camion pour les emmener. D'accord, ma question est fine, de savoir, but my une question fois que le camion was, les a emmenés, the truck took them away, est-ce que plus tard, vous receviez later on, confirmation did you receive any kind of confirmation that these people had indeed been executed, that the guard unit vous en disait quelque chose say something ou non? About this or not? Ni jumpu net tu dah yuk ceng tu kem tek hai ki khom khmien phira kaj ai ki ka mo khom ti had no responsibility or no reports back
about the prisoner je ne recevais who had been aucun taken away rapport and executed. Concernant les prisonniers emmenés et exécutés. Cela n'entrait pas dans mes responsabilités. Je voudrais être sûr de ce que vous dites I'd là like parce to be que sure à l'audience about what you're telling us now because at the hearing of 27 July 2009 at around 1550 c'est le document this is document E3/7465 vous avez dit and ceci. You said the following quand on emmenait un prisonnier pour être exécuté, taken away to be executed, une fois que la liste once finale the final list, était vérifiée had been checked, cette liste était this envoyée list à Hall, by Hall qu'il envoyait aux who gardes, would send it to the guards, y compris including Hui Peng qui gardait la liste. Who would keep the list. Après after l'exécution the execution des prisonniers, of the prisoners, Hall prenait Hall la liste would take the list, et moi, je vérifiais cette would liste, check this list en comparant by comparing la liste aux détenus qui étaient encore dans la prison of the detainees who were still in the prisoners to the list of the prisoners who had been executed. End of quote. Donc est-ce que vous aviez un travail de vérification à faire did you have to après do any checking l'exécution after the execution of the prisoners? ក្រោយពីអ្នកទូនដែលបានសម្លាប់ហើយគឺខ្ញុំអត់មានជាងទាត់អីទេពីព្រោះមិនជា I did not check the list of those who had je been killed. Je ne vérifiais pas la liste des gens exécutés. It was the unit of 100 men who c'est l'unité took des the 100 hommes prisoners to the execution site le and les prisonniers they brought vers le site d'exécution. List to Hall, and Hall gave it to me une liste à Hall so that qui I me la remettait the daily reports pour que je puisse établir un rapport quotidien concernant killed. Les prisonniers exécutés. I had no idea whether the people who had been taken je out were actually executed si because it was the responsibility of the unit exécuté, of 100 men. Car cela relevait de la responsabilité and, de l'unité des 100 hommes. They were the one who reported to c'était Hoare. Eux qui faisaient rapport à Hoare. J'en viens à mon avant-dernier sujet. Now I will turn donc, to my penultimate topic and I think I will go beyond my time by 5 minutes. C'est celui des and prisonniers we're vietnamiens. Going to now on be talking about the Vietnamese prisoners. Dit, we spoke about this already a little bit. You told us that when you would receive prisoners at S21 to record them, you were being assisted by a so named Cham, a prisoner who would interpret for you what the Vietnamese prisoners would tell you. Pourriez-vous nous and dire, can you tell us concernant ces Vietnamiens, regarding s'il s'agissait these Vietnamese prisoners, de civils, if these were de civilians or if these were soldiers or if you were dealing with both? For Vietnamese prisoners, there were both les civilians and soldiers. Vietnamiens incluaient des civils comme des soldats. For civilians, many of them were arrested beaucoup de at civils sea. Avaient été arrêtés en mer. But it's not certain whether they were arrested at sea or at the border areas. Mais je ne sais pas bien s'ils avaient été arrêtés en mer ou bien près de la frontière. Parmi les civils vietnamiens among qui the Vietnamese amenés civilians à S21, who were brought to S21, des familles entières, were there entire families among them? Entire families that had been arrested at sea or at the border? For Vietnamese civilians who came in with their families, les civils most of them vietnamiens were arrested at sea. Arrivant avec leur famille avaient, pour la plupart d'entre eux, été arrêtés en mer. Et s'agissant de ces personnes, now, regarding these people, de pêcheurs ou bien were de they gens fishermen qui fuyaient leur or pays? Were they just people fleeing their country?
Le président, veuillez attendre. La parole est donnée à Maître Coppé. La défense. Merci, Monsieur le Président. À nouveau, c'est une question orientée. En plus, il y a plus de deux options lorsqu'il s'agit de Vietnamiens qui ne sont pas habillés en uniforme. Il peut s'agir d'espions vêtus en civil. Il y a donc toutes sortes de possibilités. On ne saurait donc se borner à présenter aux témoins uniquement deux options. Souvenez-vous qu'une guerre était en cours. Oui, je vais reformuler. Yes, okay. Je voudrais simplement leur demander, parmi les civils arrêtés en mer, y avait-il des pêcheurs ou des personnes qui fuyaient leur pays, ou s'il y avait des gens qui fuyaient leur pays? For those Vietnamese who were arrested at sea, I did not ask them for such things. Ces Vietnamiens arrêtés en mer, je ne leur ai pas posé la question. Simply try to finish the list. J'ai simplement essayé d'achever ma liste. Clearly, so I je ne comprenais pas bien le vietnamien. Put, their jobs, j'ai donc seulement consigné leurs métiers, fishermen or whatever. I just want par exemple, pêcheurs ou autres. Make the list complete. Tout ce qui comptait pour moi, c'était d'achever ma liste. Pour clarifier ce point, well, to clarify this point, you said before DCCAM. C'est le document E3/93220. À la page en anglais, at English page 00 9 0 9 1 5 9 en Khmer, 3 × 0 3 times 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 et en français, in French, mais c'est une mauvaise traduction, but it's a poor translation, 0 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
broadcast because I did not. Je n'ai pas non plus d'informations concernant d'éventuelles émissions radio car je n'écoutais pas la radio. Concernant les photos qui étaient prises de ces photographs that were taken of these Vietnamese prisoners. Comment étaient habillés les Vietnamiens qui étaient pris en photo? Were they dressed? For the photographing of the Vietnamese who were brought in, they were photographed with the types of clothes that the Vietnamiens pris were en photo wearing. Portaient des vêtements vietnamiens. Je voudrais lire un extrait de ce Now, qu'a like dit out an excerpt of lors what de son interview filmé Monsieur Tan Chan. Tan Chan said during nous his filmed interview. Nous avons parlé hier. We spoke about him yesterday. Que vous avez reconnu comme étant l'interprète. And you recognize him as being the interpreter who assisted you when you questioned a certain number of Vietnamese prisoners for their biographies. This is document E3/2352. Et c'est sous and, 57 minutes et it 19 is secondes. At 57 minutes and 19 Donc seconds. Il y a une transcription maintenant dans les trois langues. Now we have a transcript in all three languages. Je cite ce qu'a dit and Chan. I will quote what Chan Au début, said. Ces Vietnamiens répondaient sincèrement. The Vietnamese would answer sincerely. Ils disaient qu'ils étaient de simples habitants that they de were la just frontière. Simple ou encore dwellers pêcheurs de mer close to the border or that there were fishermen who were fishing along the border. D'autres déclaraient qu'ils Others essayaient de fuir le they Vietnam to du sud flee pour South se réfugier Vietnam en Thaïlande. To seek refuge in Thailand. Cependant, However, Chan fait référence à Mam Nai alias Chan, he is referring to Mam Nai n'acceptait alias pas de Chan, telles réponses did not accept such answers. Toi, tu vas reconnaître and que said, tu fais partie de l'armée. You You're going to have to acknowledge that you are part of the army and that you are a secret agent who came to spy in Cambodia. Si tu ne le dis pas, if you do not say that, je vais te frapper I'm à going mort. To beat you to death. Tous ces interrogés étaient terrifiés. So all of those being interrogated were terrified. Ils ont déjà été frappés, they had already ils ont been peur de beaten mourir. And they were afraid of Dans dying. Ces conditions, so under ils déclaraient these ce conditions, que Chan voulait. They would say what Chan wanted to hear. Ils mettaient par écrit and ces for example, and they would write their confessions in writing, they would fingerprint them, they would record the sound, and they would take the pictures. Ils prenaient en photo they would photograph some de la of them façon dont ils ont photographié celui-là, in the same à savoir way they photographed this one, militaire. That is to say, dressed in military uniform. Ils pouvaient ainsi proclamer Therefore, qu'ils étaient soldats. They could say that Telle they were soldiers, preuve. And that was supposed to stand as their evidence. Voilà, je vais m'arrêter là. So I'm going to stop here. Jamais entendu Did you ever ce dont l'interprète Chan fait état ici, à savoir que hear what the Chan, the interpreter, is describing. That is to say that civilians were dressed up as soldiers, leur so that they may be photographed as such. Vietnamese civilians, I'm speaking about. I did not know well about it because Je ne sais pas the bien. Interrogation of the Vietnamese was carried out at the place Vietnamien of Mom Nai. Avait lieu chez I Mom Nai. Did not know what was happening there. J'ignorais ce qui s'y passait. Alors, concernant la période juste avant l'arrivée Now, des Vietnamiens, donc period, fin décembre 1978, début janvier 1979, est-ce qu'il y a eu instruction de la part de Deutsch d'exécuter l'ensemble des prisonniers de S21, that all the prisoners at S21 be sauf executed, ceux parmi les prisonniers qui y travaillaient except those who were working
at S21? The prisoners who were working at S21? I did not know for sure about Dutch instruction in relation to this matter. Je n'en sais rien au sujet de l'ordre de Dutch concernant instructions cette that Ho received from Dutch. Généralement, je ne faisais qu'exécuter les ordres que Hor lui-même recevait de Dutch. Vous établissiez les listes de prisonniers sortants. Est-ce que fin décembre 1978, début janvier 1979, vous avez constaté ou non que l'ensemble des prisonniers de S21 ont été placés sur des listes de personnes à exécuter? Placed on the list of persons to be executed. Were you aware of that or not? Prisoners who were being detained in late 78 or early 79 détenus en fin 1978 et début 1979 figuraient sur la liste que je préparais d'après les notes adressées and I would à moi-même et à Hor par Dutch. Je préparais la liste des prisonniers entrant et sortant sur la base de ces annotations et de ces rapports. Comment concrètement les différentes unités S21 ont procédé how did the various units at pour que tous les prisonniers de S21 soit sorti dans une période très courte. Est-ce que vous avez été débordé de travail à ce moment-là? Removing all the prisoners from S21 within such a short time. How did you go about doing such work? Regarding the writing down the names of prisoners on the outgoing prisoners list, I was pretty busy with that list towards the end of the regime. Vraiment occupé à établir les listes des prisonniers sortants vers la fin du régime. Je voudrais montrer à Monsieur le témoin une I'd liste. Like the witness, la liste E3/10455, une liste dont on attend la traduction dans les jours prochains. Elle est pour le moment disponible uniquement en Khmer. C'est une liste d'exécution de 225 prisonniers en date du 31 décembre 1978. Je demande l'autorisation de pouvoir montrer cette liste, non pas pour utiliser le contenu, à savoir les noms, etc., mais uniquement pour établir l'existence de cette liste et savoir si cette liste a été établie par le témoin. To show the contents of the list to the witness, I want to establish that this list was drawn up by the witness. Yes, you may proceed. Vous y êtes autorisé, Monsieur le procureur. Je signale à l'attention des parties que nous avons demandé la traduction de ce document et qui devrait, j'imagine, être versé prochainement sur Zilab dès que la traduction sera terminée. La première page est difficile à lire, monsieur le témoin, donc peut-être passerez-vous aux pages suivantes. Can you look at the next page donc, of that, voilà une liste dont le titre est « Exécution de 225 prisonniers en date du l'exécution de 225 prisonniers le 31 décembre 1978. On constate qu'il y a 225 prisonniers plus exactement sur cette liste. Exactly est-ce que vous avez établi cette liste did you draw up this list à S21? At S21. I was the one who was in charge of drawing a list of prisoners at S21. J'étais chargé d'établir la liste de prisonniers à S21. And
Before me, I have list of prisoners who were smashed on different days. Je vois ici des listes de prisonniers écrasés à des jours différents. I believe this is a consolidated list. Je pense donc qu'il s'agit d'une liste consolidée. Monsieur le témoin, donc le titre sur chaque page, page au-dessus est bien liste des prisonniers écrasés le 31 décembre 1978. Par contre, il y a effectivement une colonne à droite. Deputy co-prosecutor, please hold on and Counsel Cooper, you have the floor. Monsieur le co-procureur, maître Coupé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mais je n'ai pas de problème avec la première question. Où le procureur demande au témoin s'il est l'auteur de cette liste. Mais à présent, nous parlons de la teneur de la liste. Malheureusement, je ne suis pas à même de lire le Khmer et je ne peux donc pas vérifier les affirmations du procureur, à moins que ce document ne soit traduit dans les trois langues officielles du tribunal, l'accusation ne saurait poser cette question. Judge Laverne, you have the floor. Monsieur le juge Laverne, vous avez la parole. À l'intention des parties, j'indique que cette liste existe en anglais. For the information of the parties, let me inform you that this list exists in English and the year is 0-48-0-66 up to 0-83. Et par ailleurs, je note que furthermore, le temps a été accordé aux parties pour leur permettre justement de prendre connaissance des listes qui sont les listes venant au soutien de la nouvelle liste produite par les co-juges the new list issued by the co-investigating judges. Voilà, je voulais juste poser une seule question, monsieur le témoin, là-dessus. Il y a la dernière colonne que l'on voit dans ce tableau. Vous avez dit qu'elle indiquait différentes dates. Est-ce qu'il s'agit d'une colonne qui indique la date d'entrée à IS-21, selon vous, ou la date d'exécution? Sachant que sur ce document est bien écrit liste des personnes écrasées, des prisonniers écrasés le 31 décembre 1978. The last column may indicate the la dernière entry colonne date. Semble indiquer la date d'entrée. As it mentions the 7th or the 10th day of that month, so it is an entry date. Il y inclut le 7e ou le 10e mois de l'année. J'estime donc qu'il s'agirait de la date d'entrée. Et dernière question, Monsieur le Président, avant la pause, et de m'arrêter là. Est-ce que cette liste est l'une des dernières listes que vous avez établies à S21 de prisonniers sortant pour être écrasés? Vous vous souvenez-vous s'il y a eu encore d'autres prisonniers qui ont été écrasés, mentionnés sur des listes après le 31 décembre 1978, donc au début janvier 1978. From my review, it is a last list of prisoners à ma connaissance, who had to be smashed. C'était la dernière liste des prisonniers devant être écrasés. It was on the 31st of December 1978. C'était le 31 décembre 1978. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Thank you, Mr. President. I have no further questions for the witness. Bah, elle a dit d'appeler.
It is now convenient for us to have a short break, but merci, have a break moment now and resume at the opportun pour nous de prendre une courte pause pour reprendre à 10h30. Juste l'audience, vous pouvez prendre soin du témoin dans la salle d'attente pendant la pause et le ramener aux côtés de son conseil de permanence dans le prétoire à 10h30. Suspension de l'audience.